Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais essayer de vous faire un sugar skull. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un make-up mexicain qu'ils font pour la fête des morts. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. En plus, j'ai attaché les cheveux pour que ça soit plus pratique. Bon, j'ai les lunettes. Alors, je vais me badigeonner le visage avec ça. Mais d'abord, je vais marquer le motif pour mon nez et mes yeux. Parce qu'autrement, en fait, si je ne les délimite pas maintenant, ça risque d'être un peu compliqué pour les tracer en fait. Alors là, les yeux, les deux rebonds pour les yeux, ils vont être maquillés tout en noir, l'un et l'autre. Avec le crayon noir, je vais faire. C'est sûr que quand je vais faire la partie centrale du visage, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais le faire en mode dans ces cas-là. Même au pinceau, j'ai peur que ça ne... Dans un premier temps, oui, j'ai l'air... ça fait très très bizarre avec le nez blanc, le nez pas peint et les yeux pareils. Je vais d'abord, dans un premier temps, poudrer au talc. Alors moi j'utilise du talc, mais bon, parce que j'en mets beaucoup et que j'utilise pas de la poudre libre en temps normal. Alors si c'est pas assez blanc, assez couvert, bah, vous pouvez toujours repasser du fond de teint blanc en fait. Donc là, je pense qu'on est bon. Je vais repoudrer pour être sûr que ce soit sec et que ça colle pas et que je puisse travailler le reste de mes fards. Donc, toujours mon petit couvercle.
Non, je tapote. Comme je ferais avec une poudre libre, hein, en fait. Parce que dans beaucoup de poudres libres, vous avez du talc. Bon, ça c'est fait. Je vais m'occuper des yeux parce que c'est des parties qui sont un peu longues à faire en fait. Parce qu'il faut que je remplisse tout mon œil. Donc, alors si vous avez encore du blanc autour, c'est pas très grave parce que vous allez faire les pétales de, comme des pétales de fleurs. Donc voilà. Nicorette vous aide à arrêter de fumer et à commencer une nouvelle vie. Les patchs Nicorette Skin vous donnent jusqu'à 2 fois plus de chances d'arrêter de fumer par rapport à la volonté seule. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Nicorette, accomplissant incroyable. On a dit à Margot... Excuse-moi, mais pour monter sa boîte, il faut avoir des idées. Il faut surtout avoir les épaules. On a dit à Margot... Et le business plan, vous l'avez fait toute seule, comme une grande. Alors, on a dit à Margot qu'une femme entrepreneur est un entrepreneur comme les autres. J'en mets dans mes muqueuses avant de remplir parce que comme j'ai mon crayon noir dans la main. Voilà. Sachant que je vais pas forcément remplir au crayon. Je vais prendre ma palette. Comme ceci. Alors je sais pas si vous avez déjà commencé à réfléchir à ce que vous allez faire pour Halloween. Moi perso c'est les films d'horreur et voilà. Voilà, je pense que ça va être une soirée film d'horreur avec mon mari, parce qu'on aime bien. Cet après-midi je me suis déjà commencé à me mettre dans l'ambiance, donc on est le 7 dimanche 14, je vous ai tourné déjà 2 vidéos et qui sont prévues pour petit à petit pour les prochaines semaines de Halloween. Je m'avance parce que mine de rien ce sont des vidéos qui prennent du temps, que je peux pas faire en semaine rapidement, parce que voilà, je vous imagine bien que le Sugar's Curl prend un temps considérable, et celle que j'ai fait en amont, enfin j'ai fait tout à l'heure aussi, et même si c'est très sympa à faire, c'est très long. Oh. Maintenant je vais faire le nez. Je vais essayer de faire en gros avec le stick en fait. Délire typique de maison de retraite. Dysfonctionnement cognitif aigu dû à une combinaison de déshydratation, état de stase, surmédication et un manque criant de relations humaines. Possible. Pas de problème neurologique, mais ces muqueuses sont sèches. Si t'as raison, une perfusion lui fera du bien. Oui, pour l'instant. Quoi ? Je suis désolée. C'est juste pour faire le gros. Alors, j'ai toujours pris ma palette. Parce qu'en fait, le stick, il est bien, mais ça permet de donner une base de noir. Donc au départ, j'avais pas prévu de forcément faire... Les narines, mais je trouve que ça faisait bizarre. Donc du coup, je l'ai fait. Après, le nez des Sugar Skull, vous avez 1000 façons de le faire. Donc, chacun sa méthode. Après le petit nez tout fin, moi j'arrive pas à le faire. Est-ce que tu veux dire qu'il sera
relié à une machine cœur-poumon. Oui. Alors je dois refuser. Comment ça, refuser? Je vais le poudrer avec du noir, donc il est un peu irisé et d'un côté c'est pas plus mal, ça va donner un petit côté un peu festif à mon make-up. Je pousse pour faire maintenir bien le... Ça, c'est fait, donc entre guillemets c'est le plus simple parce que faire la bouche, c'est pas que c'est dur, mais c'est qu'il faut que ça soit à peu près symétrique. Donc des commissures, je vais essayer de faire comme si j'avais mes maxillaires, donc hop, quelque chose comme ça des deux côtés. Donc l'idéal c'est que ça soit symétrique. Déjà j'ai les yeux pas très symétriques, mais bon, parce que c'est pas très simple. Enfin, c'est symétrique, mais je vois pas trop, je pense. Je sais pas. La lumière. Alors, comme j'ai dû, pour équilibrer, doubler les trucs, les lignes, je vais travailler au fard sec, déjà avec un pinceau, pour dégrader en fait. De la même maison de retraite, elle a 38,5 de fièvre et elle pense que Nixon est le seul homme qui peut nous débarrasser des communistes. Perfusion et analyse. Perfusion et analyse. Donc bon, là pour le moment, ça dégrade pas beaucoup. Je suis désolé pour ton alliance. C'est tellement bête, j'arrive pas à croire que je l'ai perdu. Non, non, arrête, ce genre de choses, ça peut arriver. Non, la maladie, arriver le mauvais temps. Mais ça, c'est ma faute. Alors, je relève un peu de noir de mon... Je vais m'occuper de tes patients. Tu t'inquiètes pas, d'accord? Et toi? Je reprends un peu de talc pour... Des effets personnels. C'est une bouteille d'alcool. L'infirmière en chef le sait tout le temps. April, c'est contre le règlement. Depuis quand vous respectez le règlement? J'essaie d'aider notre patient pour qu'il s'en sorte. Voilà, j'ai vraiment qu'il a l'air de s'en sortir. Il a besoin d'un verre. J'ai pas dit que ce serait facile, mais ça, c'est juste un pansement. Je viens dans cet hôpital tous les jours et je fais des pansements aux patients. Et la plupart me remercient. Il vous remerciera peut-être, mais vous l'écoutez pas. Là, j'ai pris un peu de un guillot facile en fait pour continuer mon dégradé. Thank you.
qu'il est intensifié un peu les dents, faire un petit peu les fouetter légèrement. Il est vraiment léger. En faisant ça, vous avez un petit peu dépassé sur le blanc les dents. Hop. Je vais prendre un petit pinceau précis. Donc là, ça fait partie des parties qui sont quand même pas simples à faire, mais je pense que le plus long et quand même un peu dur, c'est les petites pétales. Donc là, j'ai déjà tenté avec avec ça pour faire, c'est pas précis, c'est pas joli. Donc, notre meilleur allié, c'est la patience et un crayon noir. Donc voilà, allons-y. Je retaille un peu mon crayon, mais pas trop. Comme ça, il n'est pas trop pointu, mais... Et je vais... Alors, voilà, les deux yeux sont faits. Ça donne ça. Donc, soit j'ai deux options. Soit je les laisse blancs, comme ça. Soit je les colore. Donc, moi, je pense que je vais mettre un peu de couleur. Je vais mettre du crayon à lèvres rose foncé, presque bordeaux. Pareil que je vais tailler. Je comprends pas. Est-ce que Franck va bien ? S'il vous plaît, mettez ça. Encore rempli chaque pétale. Donc là du coup comme c'est fait grossièrement, ça nous donne quand même un petit dégradé, donc c'est pas le cas sur tous les pétales, mais j'aime bien ce qui est fait. Bon, ça fait un peu crayonné, hein, je suis d'accord, mais on essaiera d'arranger ça avec le pinceau et peut-être avec une des couleurs de cette palette. Que j'ai. Donc c'est de Make Up Revolution, je pense que je prendrai l'une des couleurs là. Donc voilà. Pour un petit peu arranger et améliorer le la couleur. Je vais prendre plutôt ce rouge là, un pinceau que comme ça. Alors il reste du noir dessus, mais c'est pas grave parce que ça fera de toute façon dans le pétale, il y a du noir. C'est la première fois que j'utilise la palette du coup de Make Up Revolution, et je la trouve très très bien, très crémeuse en tout cas.
c'est la palette FX de cette année. Celle de l'année dernière, ils en avaient aussi. Et franchement, j'en regardais, elle était plus chère et moins de couleurs dedans. Est-ce que vous avez prévenu Rose et Brenda? Et franchement, celle-ci, elle est mieux. Donc, celle-ci, elle était à 6,99€. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même entre ça avec la palette et sans. Donc, voilà. Troisième étape niveau des yeux de fête. Alors. Sur ces make-up, souvent vous allez avoir un motif au niveau du front qui est souvent une toile d'araignée. Là vous avez des volutes très souvent et quelque chose au niveau du menton. Pareil, c'est soit une fleur, soit une araignée. Enfin, je vais essayer de faire déjà la toile d'araignée au niveau du front. C'est pas que c'est difficile, c'est que faut vraiment que ça soit quand même régulier et que ça ressemble quand même à quelque chose. Donc on va essayer de faire ça. Oui, c'est pas la plus belle toile d'araignée de la Terre. Oui. Là, je vais faire un petit rond. Donc, je vais maquiller comme pour les pétales. Voilà. Pour mettre un peu de paillettes, je vais mettre ça. Alors, je sais que c'est pas dans les tons de rouge, mais j'ai envie de mettre un peu de paillettes, un peu de brillant. Je vais mettre sur les pétales aussi. Un petit peu d'orange. C'est vraiment plus pour mettre de la lumière parce que j'ai pas de strass, j'ai pas le temps d'en acheter de regarder en fait. Et j'ai pas de mettre beaucoup de paillettes. Bah, j'en ai pas. C'est bien compris, j'ai pas ça, j'ai pas de glitter blue, j'ai pas tout ça. Donc, bon, je vais essayer de vous faire un petit motif fleur ici, genre une petite marguerite sur le menton. Oui, c'est ma marguerite quand j'étais avec Babe. Et je vais la recoloriser pareil. Ouais, donc je vais peut-être se remettre un petit coup de noir autour, peut-être avec un eyeliner, je vais essayer. De toute façon, au pire, ça changera pas grand chose, au mieux, bah, ça améliorera. Donc là, je prends le miroir de la palette pour mieux voir. Donc avec le liner, le truc qui peut être sympa si vous aviez, c'est de mettre un petit strass tout petit au cœur des petites étoiles, là, au choix.
Donc, et voilà le résultat. Je vais me reculer parce que du coup ça j'avais le zoom. J'espère que ce make-up va vous plaire et que vous aurez peut-être envie de le refaire. Si vous le refaites, bah, n'hésitez pas à me le montrer sur Instagram ou sur mon Facebook. Je serai vraiment ravie de le voir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et laissez-moi plein de petits pouces bleus, des commentaires à gogo. Je serai ravie. Bisous.